Hey, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode consacré au Let's Play de Donkey Kong Country 3 sur Super NES. Ici c'est Shiva et je suis un petit peu blasé parce que j'avais commencé à tourner l'épisode et qu'une coupure de courant m'a fait tout perdre en termes de capture audio et vidéo, ainsi qu'en termes de récupération, puisque ce que j'ai validé, je l'ai validé à savoir le deuxième bonus, je vais vous le montrer vite fait de ce niveau là. Ah bah du coup ils me remettent là, à la moitié, ah c'est pas mal. C'est un gain de temps appréciable. Bon, je fais n'importe quoi, j'arrive même plus à jouer, c'est pas grave. C'est parce qu'il faut que Dixie passe devant, arrête de tourner comme une cruche, voilà. Donc il y a un bonus là-bas, mais on le connaît. Il nous faisait redescendre ici et nous transformer en araignée, c'est bel et bien, c'est fantastique. Désolé, hein, je vous reprends, bah, je suis à chaud comme ça là. Bien vénère malgré tout, même si j'avais fait qu'un seul bonus. C'est pas comme si j'avais perdu non plus des heures et des heures de jeu, mais bon, la même chose peut se reproduire et ça me rassure qu'à moitié. Y a un truc... Déjà que le let's play c'est très chronophage, mais alors si on commence à refaire des trucs en boucle, il y a un moment c'est même plus possible quoi. Bon, casse-toi toi. Faut que je grimpe là-haut. Hihi. Waouh, waouh, waouh. Et le voici. Alors je vais pas trop me prendre la tête hein, pour la simple et bonne raison que il est déjà validé. Et au moment où ça coupait, je vous expliquais justement qu'en ce moment c'est chouette parce que c'est bientôt Noël, ça sent le sapin, il y a des décorations chez moi et tout et tout. Et merde, voilà. Bon c'est pas grave, écoutez, je l'ai validé. D'ailleurs le fait de quitter le niveau en faisant Start Select, ça valide... Ça valide le bonus quand même, c'est intéressant à savoir. Si d'aventure vous aviez pas envie de terminer un niveau difficile et simplement de collecter le bonus, vous faites start et select et ça fonctionne, je l'ai vu tout de suite là. Hop là. Je vous le rappelle, les rebonds ne font pas de dégâts. Bon, parfois c'est malgré tout, hein, ça reste un petit peu flippant quand on voit un machin, mais. Hop là. Hop là! Hop là! Boum! Et donc j'ai coupé par là, je crois. Hein. Ouais. Voilà. Et le niveau est complété et c'est bonheur! Bon bah c'est bien, j'ai refait en 2 minutes ce que j'avais fait en 10 tout à l'heure donc. QG de bazooka, il veut peut-être une boule de bowling le bazooka? J'ai plein de vieux fusils, mais grosse Gertrude est mon arme favorite. Elle fait un de ces boucans. Qu'est-ce que t'as là? C'est un boulet de canon? Ça fera peut-être l'affaire. Oh. Veux-tu qu'on charge grosse Gertrude? Mise à feu, monsieur. 5 sur 5 secondes classe. Prêt? On joue. Et que va-t-il se passer? Ah, sympa. La plante perchée. Ah, il va y avoir un zozio là-dedans. Ok. Pas très difficile. Et on récupère un pio-pio. L'oiseau banane, mais vraiment le gars. Et on se laisse tomber, et puis voilà. C'était pas plus compliqué que ça. Le conduit concasseur. Ah, je me rappelle plus trop de ce niveau-là, mais je le sens pas. On a eu le diké, il nous manque un bonus, je ne sais pas lequel, on verra bien. Peut-être les deux. Oh, 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 c'est ce niveau-là. Bah c'est pas plus mal, parce que celui-là, ah, je vais prendre du plaisir à le refaire. Même s'il était un peu chaud. Un peu chaud du bidou. Ah ouais, non mais là, j'ai fait le con. La banane, elle avait sûrement un sens. Putain, j'ai raté mon pote, c'est pas bon.
Ça va être un petit peu le spamatron de vie, mais... Au moins c'est agréable, vous le savez, j'aime beaucoup les niveaux... Les niveaux comme ça. C'est concentration de l'extrême avec Chichi. Ah non mais là j'ai encore fait n'importe quoi. Il me semblait que la banane était là mais elle est plus loin que ça. On va essayer de s'appliquer un peu. Ah, c'est une bonne, un très bon moyen de revisiter les niveaux en chariot je trouve. Ils ont fait du bon boulot quoi. Ils savent ce qui plaît aux joueurs. Ils sont pas... Ils font... Hop là, ils tiennent quand même compte hein, des goûts. Oui. Alors peut-être qu'on l'avait trouvé celui-là, mais j'en ai pas souvenir. Détruisez les ennemis. Merde. Ouais non mais c'est raté. Bon ça va pas être simple. Voilà. Ah putain. Putain d'enfoiré. Bon, ça demande un minimum de skill. Oui. Plutôt express. Maintenant, on va voir... hop là, jusqu'où on peut aller. Comme ceci. Oui, la moitié de niveau, c'est pas mal. Moitié de niveau, c'est pas mal. Aïe aïe aïe. Merde. C'était pas là. Ah, il doit pas être très loin le prochain niveau, mais... Je sais pas trop où. Concentration. On remet ça. On peut jouer aussi à tuer les abeilles hein, si y en a qui sautent par-dessus les trous, il y en a qui sautent par-dessus les abeilles. Là c'est vraiment chacun son kiff, chacun sa manière d'appréhender le jeu. Les babéicides, c'est classe aussi sur le plan socialo-humain, tout ça. Et voilà, il y avait une banane. Collecter 20 étoiles. Encore en chariot. Ouais. Ah ah ah, c'est des boules de Noël. Non, le con. Ça m'a perturbé que ce soit des boules de Noël à la place des étoiles, en fait, j'avais oublié. Voilà. Easy. Par contre, on a même pas le temps de profiter de la fin du jungle. Ah ah ah, je perds une vie pour la regagner, mais c'est pas grave. Au pire, vous savez quoi, c'est validé, voyez, le drapeau il est levé, donc à partir de là, on peut se barrer. C'était quoi ici? C'était le boss, ouais, Carnage de Chaos. Kremscorp. Bon, bah du coup, c'est bon pour Mécanos, on va aller voir... Voilà, il y a les drapeaux. Ici, il nous manque du diquet, mais on a tous les bonus, semble-t-il. BD Babouin, c'est parti. Alors... Ouais, les objets, j'ai plus d'objets. Attendez, là, je voulais aller voir l'ours, mais il n'y a pas besoin. Enfin, on va aller voir ce qui... Ouais, non, même pas, il n'y a pas besoin. Donc ça, c'est bon. Ça c'est... Y'a que ce niveau-là, là, poursuite en tonneau. On va aller voir ça, c'est le seul où on n'a pas le diquet. Ah, c'est ce niveau-là? Non. Oui, non, mais c'est pas celui que je crois. Justement. Ah, je sais plus. J'ai un doute. Ouais, c'est celui avec les tonneaux qu'on dirige.
Bon, ça va, c'est pas celui que je croyais du coup. L'autre était plus stressant. Et donc celui-là, c'est l'inverse de l'autre, c'est-à-dire que... Aïe aïe aïe, l'enfoiré, ça je le savais. Si on passe derrière et qu'on se rate, c'est pas bonheur. Hop là. Ah, il faut être rassuré. Là, c'est facile. Voilà. On a le style ou on l'a pas. Ensuite, vous êtes des enfoiros, je m'occupe pas de vous. Hop là! Non! Ah bah oui! Saleté! Ah! Je suis désolé, je suis un petit peu juste en câble avec mon casque, c'est pas super confortable, surtout quand le fil se coince entre le port manette et la carte mémoire de la PS2. Voilà. Hop! Wazaniga! Boum! Reste tranquille! On va laisser passer Mini Boss Kiddy. Voilà. Ça te fait marrer? Dis donc Boudin, ça te fait marrer? Allez, t'en bouge pas. Boum. Alors apparemment le diquet serait plutôt vers la fin du niveau, hein. Pour ça que pour l'instant... BAM! Technique du scout à pâche, reste tranquille. Hop là! Hop là! Ah mec, les babayes, c'est super stressant, quoi. Psychologiquement, c'est une honte. Hop là. Chope ça quand même, ça coûte rien. Ça mange pas de pain. On se casse, on les esquive, et puis c'est très bien. Voilà, j'ai trouvé un moyen de passer, et on est déjà à la moitié. Bon, écoutez. C'est plutôt express comme niveau, c'est pas plus mal. C'est pas par là. Toi, tu te calmes, voilà. Ah, l'éléphant. Si je me... Merde. Ah, ce côté-là. Et ça fonctionne sur les crochats. Bon, c'est bien. Ça tombe bien. Toi, mon pote, c'est pas pour te dire, mais voilà, tes conneries, tes pitreries, tu restes tranquille. On a eu les bonus, on sait que c'est pas nécessaire ce que je fais. De toute façon, j'ai plus d'eau, voilà. Hop! J'adore ce changement de plan, je vous le remontre parce que je m'en lasse pas. Là, il boit comme ça, alors que quand on est derrière la cascade, il boit de l'autre côté, c'est... Disons qu'ils mettent des choses en place, mais ils les assument jusqu'à la moindre petite animation. C'est vraiment un souci du détail, vous voyez. Et ça, c'est vachement chouette. Boum! Haha! Coup de trompe à bout portant. Hop là. Hop là. Hé, attendez. Je refais le plein pour être bien tranquille. Il est pas si mal cet éléphant, hein. Aïe aïe aïe. Mais attendez, qu'est-ce qu'il fait marrer lui là? Hé. Voilà. On chope un pote, ça c'est bon. Voilà. Bon, ça va, c'est pas trop stressant. Ok, et le camarade il est là. Alors là, c'est le moment où on fait une safe state, les amis. Parce que si je me souviens bien, c'est l'éléphant qui se transforme en tonneau et on a le droit qu'à une seule tentative. C'est pas un tonneau qui respawn. Établir point de récup. Ok, assumé. Je vous le montre devant vous, devant vos yeux ébahis. Parce qu'on est bien. Alors, comment que j'avais pu me foirer ? Ok, j'ai compris.
Et non, et on l'a perdu. Vous avez vu un petit peu comment c'est? Comment c'est Vachard, Vissler, pas cool? Merde! Oh, merde, ça je déteste quand il fait ça! Et vous imaginez s'il n'y avait pas cette safe state spammer les suicides jusqu'à ce qu'on y arrive, comment que ce serait gonflant? Comment que ce serait gonflant? Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est pas compliqué. Une fois qu'on sait comment faire. Ouais, bon, il reste quand même quelques barbeilles en chemin. C'est pas comme si on avait fini le niveau. Pour autant, ça se passe plutôt bien. Et voilà. Efficace. C'est ça qu'il faut. Du coup, on a tout eu par ici, hein. Je crois bien. Là-bas, c'est quoi? C'est le boss. C'est ça. Carnage du Squirt. La cascade fontaine. Ou la fontaine cascade, c'est selon. Or donc, qu'est-ce qui nous reste du coup? On monte là-haut. Alors c'est peut-être avec le bouton là, non? Pas celui-là non plus. C'est lequel? Bon, y a un bouton qui permet de monter, mais avec de l'élan. Voilà. Alors là, je vois plein de drapeaux en berne dans tous les sens. C'est pas très bien. Et là-bas, on n'a même pas eu les 10 quais, hein. C'est pour dire. On va les faire dans l'ordre. On va commencer par K3. Le mont K3. Environnement enneigé. Et ça commence avec... Ah oui, il nous manque des bonus partout, là. Bon, bah, allons-y, hein. On remet ça. Avec la musique de Pikmin. Je suis persuadé de l'avoir déjà entendu dans Pikmin, cette musique. Hein. Je suis désolé si j'insiste avec ça, si je vous saoule, mais... Je l'ai déjà entendu, c'est obligé. Ok, bon, écoute, ça c'est pas plus mal, voilà. Vraiment rien ici? Ah ah ah, quand même! Faut bien que ça serve des fois ce truc là. Bon, c'est mieux que rien. Un petit bonus de rien du tout, mais c'est un petit bonus quand même. Et celui-ci? J'avais dû y aller. Mais même si on l'a déjà fait, savoir qu'on a trouvé un bonus sur deux, bah c'est quand même un excellent moyen de se rendre compte que... Oh non! Désolé, j'attends même pas la fin du jingle. Alors... Ah, il en restait qu'une! Sans déconner les mecs, vous avez vraiment, mais alors vraiment pas l'esprit de Noël, hein? Connard de Kremlin, là je vous jure. Ah, quand ça fait j'bouing comme ça, eh ben c'est qu'on l'a déjà eu, ok. C'est pas grave, ça avait l'air sympa quand même. Haha, ok, efficace. Comme toujours. La vie! Ah, saleté. Bon, on la reverra pas. C'est raté. C'est pas ici qu'elle se laissait tomber et qu'elle faisait un machin de fou dans la cinématique, Dixie? Bon, en tout cas, c'était dans cet environnement-là, ça j'en suis sûr, mais... Voilà.
C'est des petits rigolos pleins de puces, hein, ces Kremlings suspendus. Hein. Hop là. Coin, je l'ai eu ou je l'ai pas eu? Ça, c'est pour lui, clairement. Ah ok, bon, on l'a tué pour le plaisir, il était pas difficile celui-ci. Alors ensuite... Doutoum, doum, doum. Me suis foiré. Voilà. Petite moitié de niveau, c'est pas mal. Allez, il y a des trucs à cassette tout à l'heure, pourquoi plus maintenant? C'est chiant parce qu'on choisit pas en fait. Déjà, je vois pas sur quoi il est tombé tout à l'heure, et puis on choisit pas sur quoi on le fait tomber le Kiddy. Bon, des fois il y a un truc, des fois il y en a pas, mais c'est vraiment petit bonheur la chance quoi, c'est pas. C'est bizarre. Et encore, faut qu'il ait envie, vous voyez, des fois il tombe, des fois il tombe pas. Autrement dit, je ne comprends pas tout. Il y a peut-être un truc là-haut. Hein. Oh! Waouh! Casse-toi! Quel talent! Trouver la pièce. Oh, c'est génial ce petit bonus de Noël. Aïe! Non, c'est pas génial ça. Eh mais il est trop... Ah non mais... Ça marche mieux avec Dixie. En tout cas, il t'est très court comme bonus, ça. Bon écoutez, c'est validé, on va essayer de finir le niveau parce que je trouve ça de fait, mais... Waouh 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 waouh. Jouer un peu commando là pour la fin. Hop là. Ah mais il pourrait tellement y avoir un truc là-bas. Aïe. Coquine. Je laisse tomber là. Ouais mais ça n'avait aucun intérêt sans les deux persos. Je pense. Remarquez, le relou a pété, donc maintenant... Je sais même pas pourquoi je m'emmerde à faire ça, parce que ça sert à rien. Voilà. Mais vu que j'ai trouvé un jeton ici une fois, maintenant je vais le faire à chaque fois que je croise un truc comme ça, quoi, c'est tout. Voilà. Yo les filles. Saloperie. Hop là, ça c'est juste pour troller le bestio. Et nous sommes arrivés au bout et c'est fini. Normalement. Ah, il y a peut-être des pièces dans la cage du fond, j'aurais dû aller voir. En tout cas, voilà, ça c'est propre. On a les diquets partout, c'est agréable. Maintenant, saut de tonneau. C'est parti. Il nous en manque. Ouais, mais c'est un niveau comme ça et ceux-là, je les aime pas bien, quoi. Oh non, c'est celui-ci en plus. Il m'a déjà un peu traumatisé une fois ce niveau-là, rappelez-vous. Il m'a déjà bien traumatisé même. Voilà, avant de prendre ce genre de machin un petit peu trop décisif... avec les boutons. Voilà. Oh.
Ah, d'accord, il est là-bas. T'as vu ça? Hop là! Attraper 15 bananes, youpi, mes préférés. Surtout dans ce style-là, ça va moyennement me plaire, je vous le dis. En vérité... Ah mais on avait fait celui-là, il me dit vachement quelque chose. Le système comme ça. Exactement, je m'en souviens bien. Avec les lags. Ou alors c'est la deuxième fois qu'on fait un bonus comme ça, je ne sais pas. Mais je suis pas fan du tout des petits lags qu'on se tape. Et vous aviez pas de lags comme ça dans les anciens opus, je proteste les gars. Oh allez quoi. Un peu scandaleux quand on y pense. J'ai même pas le temps d'arriver jusqu'au premier qu'il a déjà des pop quoi. Vous avez vu? Le gâchis de cadeau? Bah oui mais de toute façon il dépop les mecs donc on peut pas aller plus vite que la musique je veux dire. On en rate forcément un gros pourcentage. Ah c'est assez abusé. Et à partir du moment où les chiffres clignotent ça lag, mais genre beaucoup. C'est super désagréable. Et on l'avait eu. Ok. Déception, mais je m'y étais attendu. Je m'y étais préparé. Il sous-speed aussi ce clap-trap là. Waouh. Dis donc, négro, là, tu te calmes, merci. Ouais. Vous êtes bien des petits fourbes aussi dans votre genre. Pour une me laisser tomber là, aucune envie. Ah, et puis là j'adore. J'y ai passé un certain temps la dernière fois, rappelez-vous. Et le petit ralentissement qui me fait tomber, ah, je suis dégoûté. C'est abusé. Ces ralentissements sur ces niveaux auront ma peau. Cool, c'est passé. À la bonne heure. Off, j'ai eu un peu chaud là. Non, c'était pas là. Enfin, c'était là, mais pas comme ça. Comment est-ce que je pourrais monter plus haut du coup? Parce que bon, on l'a bien vu, il est là-bas, juste à cette hauteur-là. Ah, j'ai peut-être une idée. Non, pas comme ça. Non! Oh la vache! Il faut rechoper les tonneaux qui sont là. Bon, bah je vais faire une safe step parce que ça va pas être facile. Toi-même, tu sais. Allez, bordel! Il est horrible ce passage. Et puis, ces niveaux-là lag tellement. Les gars, la 64, elle était encore en développement. Hein. Faut pas avoir les yeux plus gros que la tête et le ventre et tout ce que. Et tout ce qui vous nourrit. Bon, là, voilà. C'est encore plus haut. Oh purée! Et je suis retombé. Bon, désolé. On se concentre, on s'applique. Je voulais voir s'il n'y avait pas ces tonneaux-là qui continuent dans la continuité à tomber, mais en fait non. Donc, je sais pas trop comment on fait pour passer. Faut peut-être aller plus haut que ça, comme j'avais fait tout à l'heure. C'est ce qu'on va faire. Là, on va monter jusqu'ici. Non, faire une safe state. Ici. Et vous avez vu, les tonneaux, ils spawnent quand ils veulent. Hein. C'est un peu relou. On va charger. Et on va essayer de repartir de plus haut pour voir. Peut-être que ça marche mieux.
Hop là! Oui! Je sais pas si c'était comme ça qu'il fallait faire, mais en tout cas, ça a l'air de marcher. C'est Noël, c'est Noël. Voilà. Merry Christmas! Yo ho ho! Y'a plus qu'à finir ce niveau à la mort-moi-le-mion pour que ce soit bonnard, torpillé, réglé, enterré. Aïe! Bon. Au pire, on finit pas le niveau, vous le savez. Eh ben, ce sera ça, je pense, hein, parce que fait chier. C'est validé. Suivant. Cible casse-pied. Ah oui, je m'en souviens de ce niveau-là, je l'avais bien aimé. Il était très intéressant, ce niveau. C'est l'histoire du con qui fait start et select et qui recommence le niveau sans le faire exprès. C'est pas grave. Bon. Alors. Il me semblait que je l'avais fait à fond, moi, ce niveau-là. Apparemment, c'est pas le cas. Bon, il y a des machins pour se protéger, mais la cible n'est pas encore apparue. Ok, à partir de là, par contre, ça ne rigole plus. Salut, toi! Hop! Bon, par chance, elle est pas trop stressante, hein, cette machine. Là. Waouh! Bon, celui-là, j'avais dû le trouver, c'est basique. Attraper 15 bananes avec une cible relou qui vous agresse. Bah pourquoi pas? Je l'avais pas fait, je pense. Et la cible n'est pas là. Ça se fait juste avec l'araignée. Donc ça me dit pas grand chose. Mais c'est vraiment une bonne idée d'avoir mis cette thématique de Noël. Bah moi je trouve ça génial. On n'avait pas eu ce bonus, cool. Si ça se trouve, c'est le seul qu'on avait besoin d'avoir, et je me sens donc un peu stupide de continuer le niveau. Mais comme il n'y a aucun moyen de le savoir à part la mémoire, bah écoutez, je vais faire comme si j'avais pas eu. Hop là. C'est un peu off feeling. Ouh! Voilà, ça nous fait traverser des environnements pas forcément désagréables. Hein. Celui-là, je l'avais bien apprécié, je le répète, donc hop là. Pourquoi pas, quoi? Hein? J'ai pas eu le haut, mais... Ah, y'en a, c'est trop con! Bon, c'est pas grave. Je suis protégé. Et je viens de me rappeler... Aïe, voilà! Wouhou! C'était la... Le petit use bug du fail. Mais j'avais, je le répète, j'avais complètement oublié que je pouvais orienter vers le haut ou vers le bas l'étoile que je crash. Waouh! Voilà, salut! Waouh! Ouais, là j'ai un peu tenté le diable, je le reconnais. Ce qui serait sympa, c'est de me remettre un pote pas trop loin. Allez, gars! Non?
Ok, il y a un bonus ici. Non ? Bon bah écoutez, apparemment on avait eu le deuxième bonus, donc on va pas insister pour le plaisir d'insister, hein, je suis pas sûr que ce soit très nécessaire. On se casse donc de cet environnement qu'on a complété avec brio. Je suis content, c'est efficace aujourd'hui, hein. On ne chôme pas. C'est appréciable. Avec là-bas on a tous les diquets, là il nous manque des bonus, on va donc aller faire les bords barbelés. Et ici on voit que dès le premier niveau, on n'a pas tout, alors c'est parti. Ah, c'est ce niveau-là. Attendez, je suis désolé. On a eu le Kong, ouais, je voulais vérifier. Enfin, le Kong, le... la pièce d'Ikea et la pièce coin, appelez ça comme vous voulez. Donc là, on va se transformer en Squawks porteur de tonneau. Ce qui change tout à la mécanique de ce niveau, et je l'ai compris qu'à la fin, quand je pouvais porter les tonneaux, donc ça va tout changer. Ça pourrait être intéressant, donc... Vas-y, casse-toi, mec, casse-toi, casse-toi. Boum. Petit piaf, là. Pourtant, ils nous disent bien Y, là. Hein. Dans le genre, yo, sois pas trop con, fais ce qu'on te dit, mais non, hein, j'avais pas compris, moi. Pas directement, en tout cas. Ouais, mais je préfère quand même les Squawks qui... Ok. Ok, ça ne fonctionne pas avec ces enfoirés, mais ça c'est passionnant. C'est édifiant. Et j'ai aucune idée d'où je peux trouver les différents ennemis d'ailleurs, soit dit en passant. Enfin, les différents bonus, pardon. Je me mélange parce que je pense à plein de trucs en même temps. Ça ressemble tellement à de la suite de niveau par là que je suis pas convaincu de ma décision. Voilà, ça c'est bon. Détruisez les ennemis. Pareil, celui-là, je suis incapable de vous dire si je l'avais déjà fait. C'est possible, ça me dit quelque chose. Va y en avoir en hauteur, c'est ça? Ouais, 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 il y en a avec des patterns de ouf. Ça me revient. Je l'ai fait, ce bonus-là. Quasiment certain. Ha! Boum! C'est bien pour une fois. Hop là, on a le temps de profiter un petit peu de la musique. Et ouais, je l'avais eu. C'est donc le deuxième bonus qu'on doit trouver. Ah dommage, hein, ça semblait pas mal. Rip là. Ouais, bon ça c'est vraiment pour le principe. Limite, on va... emmener celui-ci, il y a toujours quelqu'un qui apprécie. Non ! De toute façon, ces cons-là, ils sont indestructibles, donc on va pas se stresser. Allez, puis tu. Voilà, casse-toi. Hop ! Pas un jeton ou un truc caché ? Ah, tiens, allez, hop, des bananes, je me rappelais. Hop là, ça c'est de la maîtrise où je m'y connais pas. Boum, ça c'était gratuit, aucun intérêt. Et toi, quel est ton intérêt, petit bonhomme? Ok, me troller, me stresser. Ça se défend. J'ai plus qu'un point de vie, je vais pas trop faire de fou non plus.
Voilà, maintenant je peux mourir en paix. Bon là c'est Bagdababay, ok, c'est très passionnant. Très édifiant. De les voir évoluer dans un milieu naturel, toujours très intéressant, surtout que ce sont absolument pas... Aïe aïe aïe. Des babayes biologiques, allais-je dire. Ouais, il suffit que je m'intéresse un peu à elles pour qu'elles me pourrissent la vie, elles sont comme ça. Toujours à vouloir boire dans la bière d'autrui. C'est le principe même de la babeille. Alors. Et toi, quel est ton principe, saloperie? Là-haut, c'était pour le coin, donc on s'en fout. Le coin, on l'avait eu. Il était relou, mais on l'avait eu. Coucou, oui, non, mais je t'ignore superbement, tu vois. Hop. Ok, ça, je pouvais pas trop l'anticiper, en vérité. Ah, vous êtes désagréables, mes petits messieurs. Waouh. Il faut se calmer quand même un peu, là. Ok. Hop là. Qu'on ne dise pas que je suis l'ami des babeilles, ce n'est pas vrai. Je les éliminerai toutes s'il le faut. Même quand je suis là pour un bonus, ou quoi que ce soit. C'est pas une raison pour oublier ses principes, ses convictions et tout ce qui va bien. Ok, là par contre c'est casse-couille. Ok. Voilà! Pas mal. Juste hop là, se laisser tomber avec le bon timing et prier pour qu'il n'y ait pas un kikoulol qui nous attend ici, non c'est bon. Eh petit bonhomme, reviens! Oh mais non! Je savais pas qu'il y en avait deux, sinon je me serais mis entre deux. En tout cas, je suis content, cet épisode-là se passe pas trop mal. Je run à moitié parce que je suis un ouf dans ma tête. Hein. C'est d'aller un petit peu vite. Voilà, comme ça je me fais toucher bêtement et tout le monde est content. C'est tellement plus intéressant quand il y a du challenge. Hein. Moi, je suis comme ça, moi je joue en one hit kill, moi. Je suis en PGM, ça fait... Ça va bientôt faire 20 ans que je joue au Donkey Kong Country, s'il vous plaît. Voilà quoi, hein? Non, bon bah apparemment, ça... l'âge et l'expérience ne font pas tout. Mais bon, là ça va passer. Oh là ça... Ouais non mais il y a trop de paramètres à prendre en compte à cet endroit-là. Et faire le YOLO n'en fait pas partie. Je perds du temps bêtement, c'est trop con. J'aimerais bien terminer cet environnement avant de mettre un terme à cet épisode. Je sais pas si les bonus de Swanky comptent dans le pourcentage dans ce opus-là. Si quelqu'un est au courant, n'hésitez pas à me le dire. Ah putain, mais il m'énerve lui! Ah, je déteste ces Kremlings à la con, je vous promets. Vas-y, j'ai même plus envie de tuer des babeilles. Allez, quoi, et puis l'autre qui va me troller tout le temps comme ça, là. Comme si c'était pas déjà suffisamment chaud. Putain, et là c'est lui, non mais oh. Filez-moi un tonneau mécanique, un tonneau métallique, pardon, et arrêtez de faire chier, quoi. Grrr. Mais ça se trouve, je m'y prends juste très mal, attendez. Voilà. Je me compliquais peut-être un peu la vie. Là, j'ai limite glitché, on va pas se mentir. Ça ressemblait à un petit use bug des familles. Putain, il descend si bas que ça, lui. Mais pourquoi les bananes elles nous induisent en erreur à ce point? C'est complètement vachard et inhumain et inutile. Enfin, je comprends pas. Casse-toi, toi.
Ça, je veux. Putain, bah oui, c'était forcé. Tra, comme j'en peux plus de ces bestioles. Hop là. Je sais qu'il y a de la magouille par là, donc je me méfie un peu. Allez, voilà. On a eu le Kong, c'est pas mal. Fou, un copain. Hé, un relou. Bon, là, ils font leur petite boucle, ils sont contents. Ils se prennent trop pour des rebels. Rebels! Bon, enfin quoi. On perd le para. Et alors quoi? Là, je vais faire une save state. Reviens, bonhomme, reviens. Reviens, petit gars, reviens. Faut que je teste un truc, quand même. Ah ouais, ça pique, hein. C'est pas facile, ok. Mais on peut leur rebondir sur le casque. Vous avez donc compris ce qu'il faut faire pour obtenir le bonus. Ça va pas être facile, mais on va essayer. Allez, reviens ici. Petit enfoiré. Allez, hop. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Par ici, c'est pareil. Et il y a le bonus. Celui-là, je vais pas vous mentir, je l'ai lu sur internet. Hein. Collecter 40... Waouh, waouh, waouh. Ah bah oui, pourquoi... Pourquoi se priver de mécanique que l'on affectionne tant? Allez, reviens ici, petit enfoiros. Connard de Kremlin, là. Allez, allez, monte-moi jusqu'en haut. Voilà, et hop, et on se fait pas toucher, ce serait dommage. Et encore un bonus de torpillé, et une pièce de chopé, et c'est bonnard. Fou, et là, voilà, le niveau est complété. Encore un, ça fait plaisir. Ah, quand même, ça soulage. Ah, on est obligé de passer chez l'autre relou, là. Veux-tu faire un tour de télésiège? C'est très amusant, tu sais. Ouais. Parfait. Et donc là-bas, on a tout eu. Dans l'eau, on a tout eu. Reste cet environnement-là où on a du boulot parce qu'on n'a pas eu grand-chose. Cuvette pas cool. Alors, un niveau où tout est à faire. Petite caverne article. Arctique. Qui n'est pas sans m'évoquer... Ah, bah c'est le rallye. Je le reconnais, c'est le rallye. Celui où on change d'animaux, il n'est pas difficile. Je me suis juste complètement foiré sur l'exploration, mais il n'est pas difficile. On va choper un petit peu de tout ce qu'on trouve à droite à gauche. Faire gaffe aux enfoiros dans leur tonneau violet. Oh non, mais voilà, il y a trop de trucs à l'écran, il y a des ralentissements. Je trouve ça presque scandaleux hein, qu'ils aient pas mieux optimisé ce jeu-là. Enfin, il souffre vraiment de ralentissements qu'on n'a jamais vu dans les opus précédents. Alors, est-ce qu'ils ont pas eu les yeux un peu plus gros que le ventre? Comme on a coutume de le dire. Je ne sais pas. Hop, hop, hop.
Ouais, non, toi, il t'en faut plus pour mourir, n'est-ce pas? Oui, forcément. Ah, ce que j'aime pas, ces ennemis. Est-ce que je les aime pas? Bah oui, et puis là, il montait jusqu'en haut, forcément. Ouais, mais faut bien que j'explore, j'ai rien fait dans ce niveau. J'explore comme je peux. Hein. J'ai pas le liké, j'ai pas les bonus, ou en tout cas, il y en a au moins un que j'ai pas. Comme un fou les fous. Boum. Ah, ça fait... Je croyais que c'était... Ok, bon. Je me suis... Encore une fois, j'avais pas tout compris à la musique, c'est pas grave. Et le pauvre Squawks, il en chie, là, hein, avec Kiddy. On sent bien que ça pèse lourd sur les papates. Ah purée, je les déteste, hein, vraiment. Ils arrivent toujours à la dernière minute, on peut pas trop les anticiper. Et je supporte pas. Alors, le passage avec le haut... Waouh. Non mais y'a trop de bestioles. Voilà. Avec Hangard, c'est vachement mieux. Toi, je te tue quand je peux. Ça, pareil, c'est un ennemi dont je déteste le pattern. Hein, le... Boum. Pas lourde là-bas, elles, ça va, elles le font avec un bon rythme. Mais il y en a qui sont tellement rapides. Enfin, y a... Pour avoir la lucarne qui permet de les toucher, faut le vouloir, quoi. Pour l'instant, j'ai pas l'impression d'avoir eu de bonus. Il y a peut-être des murs à défoncer avec Hangard, ceci étant. Pourquoi pas. Il y en avait, mais c'était du bois, donc ça semblait plus logique de défoncer du bois avec un espadon que de défoncer des cailloux. Dans le deuxième opus. Voilà, vous voyez, eux, ils sont... Là, je l'ai fait, mais je suis pas sûr que c'était l'idée du siècle à faire, quoi. Tant que possible, j'ai plutôt essayé de les esquiver. Lui, il est de tense, donc ça va. Lui, il est de tense, donc ça va. Lui, il... Voilà, il meurt, merci. Ah, on peut en sortir de Hangard, c'est bien ce que je pensais. Bon, ça sert pas à grand chose en tout cas, mais voilà. On va choper quelques bananes. Lâche-moi. Moitié de niveau, éléphant, ok. À partir de là, ça ne rigole plus. Je peux pas choper d'eau. Lui, il me balance des bombes, il se croit drôle, sans doute. Tu te crois intéressant, mais t'es qu'une saloperie. Bah, peut-être qu'il y avait un truc à faire sur son casque, à lui aussi remarquer. Ah, mais il est parti où ce qu'on défend? Dans l'eau, ok. C'est concept. Ah, mais si je veux pas. Non, mais je suis arrivé trop loin là. Puis ça ralentit, c'est scandaleux. Allez, stop. Stop ralentir là-haut. Allez, achève-moi. Voilà, merci. 66 vies, c'est pas un signe ça un peu? Bon. On reprend. Allez, l'éléphant. Merci, mec. Ici, on fait attention. Se méfie des enfoiros. Waouh, voilà. Connard d'éléphant, reviens ici. Bon, ils ont réussi à me le dépop, hein. J'ai plus qu'à me suicider. Mise à mort.
Mais à part ça, on va y arriver les gars, y'a pas de souci. Vous inquiétez pas. Faut juste faire un peu gaffe à ce bolos d'éléphant là pour pas le perdre. Avec ses grands yeux ébahis. Alors, ici on a un tonneau au-dessus, j'ai cru voir. On fait ça, est-ce que si on a un bonus ? Collecter 20 étoiles. Ah oui, non mais alors en plus, voilà, dans le genre, on va vous faire abuser de cette mécanique. Maintenant, voilà, vous avez compris comment vous éjecter, et bah voilà, si vous n'avez pas compris, on vous le refait faire. C'est original. Pauvre éléphant. Par contre, du coup, on recommence sans éléphant. Ce qui pourrait sembler problématique au vu de la suite, qui est là-bas. Bah ouais, j'ai plus d'éléphant là, comment vous voulez que je fasse? Pour finir le niveau. Je veux dire, c'est qu'à moitié, voilà, c'est qu'à moitié conventionnel. Bon, ça marche, mais c'est qu'à moitié qu'on... Ah, arrête de rouler. Conventionnel de faire ça. Un petit gars. Non? Je crois pas. Bon, là, on a... Nah. Arrête ça. On a un G là-bas. Allez. Waouh, 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 t'étais là, toi. Je savais pas. Casse-toi. Arrête de ramer. Mais regardez comment ça rame. Putain, on est sur Wii U, les gars. 2014. S'il vous plaît, quoi. Bientôt 2015. Ah, vous avez vu un peu comment ça rame? Vous trouvez ça normal, là, sérieusement? Attrapez 15 bananes. Faut avoir envie, hein. Faut les vouloir, les cadeaux. Ah non, le con. Le premier, on sait qu'on peut pas l'avoir. Voilà. On peut sinon en avoir à peu près deux par passage. 3, 4. Oh là là, là c'était rentable. Un peu, voilà. On va chercher la pièce et on se casse. Ah non, mais c'est trop tard, on est invulnérable là. Tu peux pas tester, garçon. Or donc, on reprend ici. Waouh, waouh. On passe ça. On perd la bestiole. Voilà, au hasard, hein, n'est-ce pas? On commence à connaître. Père de rien. Merde! Ah, j'espère qu'il a repop le machin. Oui. Quoi? Pas comme ça, sérieusement. Oh, mais attends, faut que je monte ici, je sais. Bonne diagonale. J'ai dit une bonne diagonale, pourquoi tu pars verticalement? Couillonne. Oh là là, il me troll en plus, le petit enfoiros. Juste pour être contrariant. Allez, non mais... Nyeh. Putain, mais la balance pas comme ça, comme si c'était... une vieille chaussette, essaie de... T'appliquer un peu, qui dit, quoi, merde. Bon. Et... Non mais je m'y prends presque bien en vérité.
pas le souci. Allez, mais qu'est-ce qu'il y a touché là ? Faut quand même pas me prendre la tête ce petit bonhomme. Alors ça va que la musique est sympa. Voilà, bon, c'est pas compliqué, pas trop. Et ce coup-ci, on a tout validé. Alors ensuite, il nous manque la pièce d'Ikea de corde confuse. C'est parti. Alors, encore un niveau comme ça. Encore des machins là, avec des barbeilles et tout et tout. Il nous manque que la pièce d'Ikea, hein, c'est ça? Putain, j'ai déjà oublié, super. Je crois que c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Et puis ça commence. Trop de baveilles dans ces niveaux, je vous le dis, moi. Beaucoup trop de baveilles. En plus, elles sont à moitié vénères. Ouais, c'est ça, c'est un niveau avec des baveilles partout pour vous mettre les nerfs à rude épreuve. Ok, ceci est une lettre O. Pourquoi pas. Moi j'avais cru voir des bananes là-haut, mais on m'aura peut-être mal renseigné. Si, il y en avait bien. Ok, et voilà la moitié du niveau. Bon. Passe ça. Ouais, non, mais là, je suis perdu! Allez, un peu de courage, on est presque au bout. Allez, sérieux, qui dit sa hitbox de merde? Non, mais il est trop gros ce personnage, quoi, c'est tout. Faut même pas chercher plus loin. Allez, les abeilles. Oh oh oh! La pauvre Dixie, je vais faire des machins. Ouais, il sert à quoi ce tonneau là? À rien? Bah, il est là pour si on retombe quoi, en gros. J'essaie de comprendre. Hein. C'est pas gagné. On trouve des trucs, mais c'est pas ce que je cherche, quoi. Bon, le tonneau bonus qui était la bestiole, on l'avait eu. Et on est déjà arrivé au bout, donc c'est qu'il y a un souci. On va recommencer.
Bah, il faut que je retourne à la moitié du monde. C'est le dernier niveau d'aujourd'hui, donc ce serait bien d'y arriver. À moins que je fasse encore un environnement pour qu'on termine définitivement la collecte et que la prochaine fois on fasse tout à fond, je sais pas. C'est peut-être possible. On verra comment ça va se négocier. Hop là, c'est pas figé. Et oui, il y a peut-être plein de babeilles, mais j'aime bien ce niveau quand même. Je trouve qu'il est, il est vraiment intéressant. Un peu stressant, mais juste, juste ce qu'il faut, quoi. Voilà. Ça passe plutôt bien. Hop. La moitié... Aïe, 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 la moitié de niveau est par ici. Aïe, 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 attention, attention. Voilà. Alors, il faut... Aïe. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Monter au cordage. Attendez. J'ai pas compris, là. Donc, moitié de niveau. J'aime ça. Esquive les deux relous qui tracent. Se laisser tomber au niveau de la petite fleur. Ok, il était là, le coquinou, mais fallait le dire. Oui donc quoi, je te reconnais pas. Voilà, bah c'est bon. C'était pas plus compliqué que ça. Ah, une fois qu'on l'a trouvé, c'est bonheur quoi. Faut juste réussir à le trouver. Wouhou, là, je fais des trucs de ouf, mais j'ai pas peur. Moi je suis comme ça. Je suis un singe avec des cabouilles. Toc 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 toc. Ok. C'est pas tout à fait grave. Maintenant ça l'est. J'ai perdu mon pote l'oiseau et je suis malheureux. Bon, j'ai pas perdu le reste. Je vais run un petit coup là. De toute façon, si je dis pas de bêtises, on est... pratiquement arrivé. Putain, je déteste ce qu'il dit, quoi. Ah, tu peux chialer, moi j'ai le drapeau, je valide même pas la suite. Voilà. Ça t'apprendra à être mauvais. Y avait pas un chemin pour... Non, y'a plus de chemin rapide. Ah, la misère. Faut refaire le tour. Faut retourner parler aux ours et tout et tout. Voilà, allez, on prend le machin et on se casse. Je vais aller voir les pourcentages, faire une petite sauvegarde chez Wrinkly. Si jamais Cranky apprend l'existence de cette console, il y jouerait tout le temps. Désires-tu sauvegarder? Oui, mamie. Et nous en sommes à 83%. Ok, c'est pas mal. 35 pièces d'IKE, c'est le nombre qu'il nous en manque. Non, c'est le nombre qu'on en a. Et il nous faut encore 2 bonus pour être dans les clous. C'est bizarre. Continuez à chercher des oiseaux, ils sont adorables. Bah ouais, non, ouais, c'est bon, on a compris que t'es heureuse avec les oiseaux. Là-haut, c'est simplement pour la cache. Et sinon, on a tout eu. On va refaire un petit tour de world map quand même, histoire d'être bien sûr. Oui, bah ceux qui nous manquent, c'est ceux qui sont là-bas, hein, de toute façon. C'est pas plus compliqué. On va y aller aujourd'hui, je vous fais un méga épisode aujourd'hui, parce que j'ai plus de temps que la dernière fois. Corpse Chaos, c'est parti. Premier niveau, c'est bon, premier niveau, c'est bon, premier niveau, c'est bon. Tout est bon, en vérité. Tout est bon. La seule chose qu'il me reste à faire... niveau là-bas.
On dirait un peu un... Attendez, regardez, on dirait un peu un crâne, ce machin, là. Avec les yeux, et puis la forme, et puis en bas, vous savez, il y a la bouche. C'est marrant. Carnage de coin. C'est là qu'il me manque des bonus. Ok, on va rigoler. Et bah c'est parti, on va terminer. Putain, mais puis arrête ça, sacré nom d'idiot. Non mais... ça recommence. Le cauchemar. Again. Ah purée les emmerdeurs quoi. Sincèrement. Putain. De rebond à la con. Bon je crois que je vais repéter des câbles assez rapidement. Voilà, on va vous esquiver autant que possible, messieurs les coins, parce que vous êtes un peu relou. Vous êtes rigolo, y a pas de souci. Très serviable, mais très relou également. Hop là, on s'accroche à la cordée, on se prend pas la tête. Et voilà, dès qu'on se tape l'angle du bouclier, c'est foutu, c'est stressant, c'est agaçant. Je me souviens, c'était il y a une semaine, hein, ce niveau. J'avais bien aimé. Et puis après, j'avais un peu moins aimé. Et puis ouais, il faisait partie de la méga session. Il y a un truc que j'ai tourné en 2 jours, rappelez-vous. Bon, je vais essayer d'aller aussi loin que possible, mais je vous garantis pas de terminer le niveau. J'ai presque envie de faire une save state ici, vous savez. Au point où j'en suis. Ce niveau-là, il est chiant, donc on va avancer doucement. Voilà. Donc là, on arrive au premier bazooka. Je vais faire un point de récup ici, plutôt. Ça semble légitime quand on voit à quel point ce passage est... casse-couille. Et j'ai cru voir un truc de ouf. Attendez. Faut que ce soit Kiddy qui prenne Dixie sur ses épaules plutôt. Je suis pas sûr que... Ah si! Collecter 30 étoiles. Ah mais celui-là il est pas... Il est pas du tout caché. Et pourtant je l'avais pas eu. Bon bah écoutez. Hop. Petite moitié de niveau. Ok, ok. Mais... qu'il est con, mais qu'il est con, cet homme-là. Ouais, mais l'autre bonus, on l'avait eu, donc on va en rester là, en fait. Ok. Et bah voilà, les amis. Voilà. Je l'ai fait. Wouhou! On a chopé tout ce qu'il y avait à choper ou presque. Il ne nous reste plus qu'à explorer ce monde secret. Et histoire de, on va se quitter là, comme ça. Et je vais vous donner rendez-vous la prochaine fois pour la suite. Voili voilou. Ciao ciao, portez-vous bien et à la prochaine. Do 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 do